Ici, on nous demande de déterminer parmi les nombres suivants, 24, 2, 1 et 17, ceux qui sont premiers, ceux qui sont composés et ceux qui sont ni l'un ni l'autre. Alors, avant de commencer, un petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier déjà? Eh bien, un nombre premier, c'est un entier naturel qui a exactement deux entiers naturels par lesquels il peut être divisé. Par exemple, 3 est un nombre premier, parce que 3 est un entier naturel qui est divisible par 1 et par 3, et c'est tout. Donc, 3 est un entier naturel qui est divisible par 1 et par lui-même. Un nombre composé, c'est un nombre qui a plus de deux entiers naturels par lesquels il peut être divisé. Donc, par exemple, 4, c'est un nombre composé, parce qu'il est divisible par 1, par 4 et par 2. Et on va voir un cas intéressant d'un nombre qui n'est ni un nombre premier, ni un nombre composé. Alors, c'est parti. Regardons ce qu'il en est pour 24. 24, par quoi est-ce que c'est divisible? Eh bien, tout d'abord, 24, c'est divisible par 1 et par 24. Mais est-ce que c'est divisible par autre chose? Eh bien, 24, c'est un nombre pair. Donc, 24 est divisible par 2. 24 est divisible par 2. Et si je divise 24 par 2, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 12. Donc, 24 est aussi divisible par 12. 24, si on fait la somme des chiffres, qu'est-ce qu'on trouve? 2 plus 4, ça fait 6. Et 6, c'est divisible par 3. Donc 24 est divisible par 3. 24 est donc divisible par 3. Et 3 fois 8, ça fait 24. Donc 24 est aussi divisible par 8. Sans avoir à aller plus loin dans la liste des facteurs, on peut déjà dire que 24 n'est pas un nombre premier, mais que 24 est un nombre composé. Parce que 24 a plus de deux entiers naturels par lesquels il peut être divisé. Donc 24, c'est un nombre qu'on appelle un nombre composé. 24 est un nombre composé. Voilà. Mais puisqu'on a commencé la liste des facteurs de 24, on va continuer. 24, c'est aussi divisible par 4. Et 4 fois 6, ça fait 24. Et là, on a la liste complète des diviseurs, des facteurs de 24. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour 2? Est-ce que 2 est un nombre premier composé ou ni l'un ni l'autre? Eh bien, 2, c'est divisible par 1. Et c'est divisible par 2. Et c'est tout. Donc 2 est un entier naturel qui a exactement deux facteurs par lesquels il peut être divisé, 1 et 2. Donc 2 est un nombre premier. 2 est un nombre premier. On va l'écrire ici. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que 2 c'est un peu un cas unique. Parce que 2 c'est le seul nombre pair qui est un nombre premier. En effet, tous les nombres pairs par définition sont divisibles par 2. Donc s'ils sont divisibles par 2, ils sont divisibles non seulement par 1 et par eux-mêmes, mais en plus par 2. Donc ça ne peut pas être des nombres premiers. 2 est le seul nombre pair qui est aussi un nombre premier. Alors, regardons maintenant ce qu'il en est pour 1. 1, c'est divisible par quoi? Eh bien, 1, c'est divisible seulement par 1. Ce qui en fait un cas unique, parce qu'en fait, on ne peut pas à proprement parler dire que 1 est un nombre premier, puisqu'un nombre premier est un entier naturel qui est divisible par exactement deux entiers naturels. Or, 1 n'est divisible que par un seul entier naturel, 1. Donc 1 n'est pas un nombre premier. Mais ce n'est pas non plus un nombre composé, parce qu'un nombre composé, c'est un nombre qui est divisible par plus de deux entiers naturels. Or, 1 n'est divisible que par 1. Donc en fait, 1 c'est le cas intéressant qui n'est ni un nombre premier, ni un nombre composé. Donc 1 ce n'est ni un nombre premier, ni un nombre composé. Voilà. Regardons maintenant ce qu'il en est pour 17. Alors, 17, c'est divisible par 1, et c'est divisible par 17. Mais 17, ce n'est pas divisible ni par 2, ni par 3, ni par 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16. Donc 17, c'est aussi un nombre premier, puisque c'est un entier naturel qui a exactement deux facteurs, 1 et 17. Donc 17, c'est un nombre premier. Et voilà, on a exploré les quatre exemples donnés ici.